Les traits de caractère qui rendent les femmes obsédées et attachées à toi. Je sais que t'aimes ce genre de vidéo, hein, ça te fait plaisir. Assieds-toi, on va s'ambiancer, hein. T'aimes trop ça. T'aimes trop ça, toi. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous avez bien le plaisir à la fois. N'hésite pas à t'abonner, tu connais déjà. Même petit j'aime, ici c'est Jonathan Hachi, l'idée de la chaîne, c'est pour te permettre d'être déterminé, passer à l'action, devenir une meilleure version de toi-même, hein, et pouvoir devenir libre. Et pour ça, il faut de l'argent, liberté égale argent. Il y a deux choses que je te propose, mon étude de cas qui est complètement gratuite, ok, tu es libre de pouvoir y accéder. Je te montre exactement comment j'ai fait 20-40 semaines. Fais-toi plaisir, ok, avant de créer à l'arnaque, dans les commentaires, jette un coup d'œil quand même. Et deuxième chose, ma formation pirate marketing, ça c'est si jamais tu me connais déjà, parce que sinon là tu vas être complètement perdu, où je te partage exactement les stratégies pour atteindre au minimum les 5K par mois. Et en plus, j'ai rajouté des bonus complémentaires sur l'e-commerce, sur investir en immobilier, investir dans les crypto-monnaies, investir dans les startups, le personal branding, et tu auras accès en plus à ça, à l'incubateur qui te donnera accès à du coaching sur le business de manière générale, ça veut dire marketing, ton pourquoi, etc. Ok, donc si jamais tu veux en savoir plus par rapport à ça, tu as la possibilité d'accéder à un appel offert, ok, c'est complètement gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer dans la description, tu mets ton numéro de téléphone, ton prénom, il y a un membre de mon équipe qui va te rappeler. Tu vas pouvoir poser toutes tes questions, ok, c'est complètement gratuit, c'est sans engagement. Et si jamais tu veux utiliser ton CPF pour pouvoir y accéder à Pirate Marketing, on t'accompagnera à monter ton dossier de A à Z, ok, et après on aura les accès à Pirate Marketing. Et après, il faudra charbonner, ce sera dur, ce sera long, c'est pas un bouton magique, mais par contre, ça en vaut le coup. Donc, pas d'excuses, les gars, j'ai grandi à Évry dans 91, j'ai redoublé mon BEP, trop technique, hein, ok, et pourtant, ça fait plus de 3 ans qu'on voyage. J'ai découvert le business super tard, j'avais 33 ans, je crois. J'ai entendu parler du business, que c'était possible de gagner de l'argent autrement que juste en allant travailler, mais trop boulot dodo. Ok, donc c'est possible, il faut juste passer à l'action. Est-ce que c'est facile? Je pense que la difficulté, c'est de tenir en fait, c'est de persévérer, mais les gens ne persévèrent pas. Ils sont chauds. Ah, vas-y, on va commencer, on commence là. Ils sont chauds une semaine et après ils arrêtent. Tu peux comme dans tout, hein, comme le sport, ils commencent en janvier. Nouvelle résolution. Et voilà, ça ne. Un mois et puis après ils arrêtent. Donc c'est pas compliqué de faire partie des 20%, les gars. Hein. Ça va très vite. Hein. Parce que la plupart des gens, ils sont feignants. Bref, et passons directement au sujet de la vidéo. Les traits de caractère qui rendent les femmes obsédées et attachées à toi. Je sais que t'aimes ce genre de vidéo, hein, ça te fait plaisir. Assieds-toi, on va s'ambiancer, hein. T'aimes trop ça. T'aimes trop ça, toi, hein. T'aimes trop ça. Bref, donc du coup, alors, premier trait, tu dois être un gentleman, ok, on n'est pas dans les bails de traiter les femmes d'une mauvaise manière. Non, on est élégant, gentleman. Par contre, et c'est là qu'on arrive aux traits qui vont les rendre obsédés par toi, c'est qu'à tout moment, quand elle agit mal, elle est respectueuse, elle n'agit pas comme tu voudrais qu'elle agisse, tu arrêtes de lui donner ton attention. C'est la base. La femme, elle se nourrit de ton attention. Elle veut ton temps et ton attention. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire même aller jusqu'à partir, quitter la relation. Ce que la plupart des gars n'arrivent pas à faire. Ça veut dire, comme j'avais fait une vidéo où j'en parlais, je disais, les gars, leur meuf, elle va les tromper. Okay, quand elle revient et qu'ils apprennent ça, ils réservent des billets pour les écaillements pour animer la flamme. Là, non, les gars. À partir du moment où elle a perdu le respect pour toi, ça ne sert à rien de lui bégayer de rester avec toi alors que c'est elle qui t'a trompé, d'appeler un psychologue pour savoir mais pourquoi elle ne m'aime plus, etc. Ben, elle ne t'aime plus parce que tu es un bêta, peut-être. Voilà, elle a perdu le respect en tout cas. Alors que quand tu agis lorsqu'elle te manque de respect ou que genre elle est irrespectueuse ou qu'elle n'agit pas comme il faudrait agir, dès que tu t'éloignes, déjà tout va revenir dans l'ordre, okay? Et elle va être attachée à toi parce que tu vas envoyer une perception de high value, comme ils disent en anglais, high value man, okay? Parce que le fait de pouvoir partir et d'être capable de partir, ça envoie la perception de tu es quelqu'un qui a des options, tu es quelqu'un qui a de la valeur et du coup il va pouvoir avoir une autre femme qui est confiante. Alors que quand tu es là, elle fait n'importe quoi et qu'elle sait que de toute façon, tu vas toujours rester là quoi qu'il arrive, ça ne l'excite pas. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle va monter crescendo et elle va faire de plus en plus de manque de respect. Voilà, pour, je ne sais pas comment le dire d'une autre manière. Hein, c'est le crescendo en mode, au début, elle va te parler mal. Après, elle va, oh mais en fait, c'est un bouffon. En fait, je pensais que c'était un alpha, mais c'est un bouffon. Elle va te parler mal, elle voit que tu dis rien, que tu continues à lui donner ton attention comme si il n'y a aucun problème, ça déchire. Elle va dire, ah non, bah peut-être si je lui mets une gifle, peut-être pour voir, attends,
Gérard? Oh là! Voilà. Et après, on va faire comme ça. Oh, il dit rien. Oh, tu vois, c'est intéressant. La Géraldine? Oh, il dit rien. Toi, et puis après on arrive là, homme battu. Hein, parce que sachez les gars qu'il y a beaucoup d'hommes battus. Ouais, on n'en parle pas ça, évidemment. Ça, parce que tout le monde s'en bat les reins, les gars, de la situation des hommes. Mais donc du coup, si jamais tu es en capacité de juste quitter la relation, si jamais ça va pas, ou d'arrêter de lui donner d'attention, si jamais c'est pas des trucs trop graves, je veux dire, elle manque juste de respect, mais direct tu mets le cadre, là elle se dit je suis avec un vrai homme, inconsciemment. Et là elle est attachée à toi. Deuxième trait, c'est être un gars solide. Il faut que tu puisses être un rock, il faut que tu puisses être stable. Il faut qu'on sache que, ok, c'est le chef de famille, on peut compter sur lui. Tu peux pas être émotionnellement instable. Un jour, tu es triste, un jour, tu es content. Ça s'est mal passé au travail, tu es triste. Ça s'est bien passé, tu es content. Ça va juste la repousser si jamais elle voit que tu es instable. Voilà, tu peux des fois être pas bien, etc. Oui, elle va te supporter. Oui, les femmes, elles vont toujours dire ça. Oui, je veux te supporter. Oh, ça va. Si jamais c'est un court temps, un court laps de temps, oui, là, on est bon. Mais si jamais tu es complètement instable, elle a besoin de savoir que, ok, elle peut compter sur son homme. C'est un homme, il est stable. Émotionnellement, je sais que quoi qu'il arrive, je vais pouvoir compter sur lui. Parce que les femmes sont super émotionnelles. Elles peuvent monter, elles peuvent descendre, etc. Si jamais toi, t'es pareil, c'est comment hein? Tu commences à ressembler à une femme. Et là, je te le donne dans le mille, Gérard, ça va la repousser. Troisième trait que j'ai noté, c'est que tu es en capacité de contrôler tes émotions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a quelque chose à faire, que tu sois triste, que tu sois pas content, que tu as envie de chialer ou pas, tu le fais. Ça rejoint en fait la discipline. Le fait que tu sois discipliné, et que tu fais ce qu'il y a à faire, par exemple, si jamais tu t'es fixé un objectif et tu fais ce que tu as à faire, même si elle va essayer de te dire « Ouais, c'est bon, imaginons que tu vas à la salle de sport pour être en forme, pour avoir les abdos, pour être juste en forme, tout simplement, avoir plus d'énergie pour faire ce que tu as à faire. Imaginons qu'elle te dit « Ouais, ce serait bien quand même que tu arrêtes d'aller au sport, etc. etc. » Ça, c'est un shit test. C'est juste pour voir. Est-ce qu'il va le faire ou pas? Ah ben, tu sais, il n'est pas si déterminé que ça. Si jamais « Ouais, ok, chérie, bon, ben, j'arrête, on va rester ensemble à regarder Netflix. » Comme ça, on va tous être en surpoids, ça déchire. Voilà. Et là, elle se dit, ouais, bah en fait, lui, consciemment ou inconsciemment, hein, ouais, bah en fait, lui, bon, quand il a un objectif, bon, c'est pas vraiment un objectif. Alors que quand tu contrôles tes émotions, tu es discipliné, tu fais ce que tu as à faire, qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, ok, tu fais ce que tu as à faire, déjà, elle va t'admirer, et je te donne dans le mille, le fait qu'elle t'admire, bah du coup, ça va l'idée sur le respect qu'elle aura pour toi. Et donc, du coup, elle va t'aimer. Et du coup, elle va être excitée. Parce que la femme, elle a besoin d'admirer son gars. Et elle va arrêter de te prendre pour un enfant. Les femmes qui disent, ouais, moi, je peux prendre un homme et puis je vais le faire grandir. Non, tu fais pas d'un loser un winner. Un winner, c'est un winner. Et si tu es un winner, elle aura de l'admiration et elle va te respecter et elle va t'aimer et elle va être obsédée par toi. Quatrième trait, c'est d'être ambitieux. Bon, ça, c'est le classique, tu le sais. Les femmes voient le futur chez l'homme et nous, en tant qu'hommes, on voit le passé. Ok, donc si jamais tu n'es pas ambitieux, elle va pas être obsédée par toi. Là, on est d'accord. Ok, et ça, c'est quelque chose que j'ai entendu, quel que soit le pays que j'ai fait. J'en ai fait des pays, hein. Quelle que soit la langue, que ce soit en espagnol, que ce soit en français, que ce soit en anglais. Donc, ça veut dire que j'ai fait Canada, Mexique, Colombie, Brésil, enfin, tous les pays, Canada. Ok, Amérique du Nord, aux États-Unis, c'est toujours la même chose. Elles veulent un gars qui est ambitieux, qui veut accomplir des choses, qui a une mission. Elles veulent pas un gars qui est fainéant, ça passe pas. Ça passe pas, t'as beau être le plus beau du monde, le plus in shape, avoir les abdos, si jamais t'es pas ambitieux, ça les repousse. Et c'est marrant parce que chaque pays où j'ai été, incroyable, c'est toujours le même truc qui revient. Ok, la nature féminine, elle est pareille partout. Et dernier trait, c'est ta capacité à être focus sur tes objectifs et à passer à l'action. En gros, ça résume un petit peu tous les traits que j'ai dit précédemment. C'est la capacité à être focus, à avoir des objectifs, à utiliser ton temps. Ça veut dire que du coup, t'es busy, ok, parce que tu es en train de taffer pour pouvoir devenir quelqu'un, ok. Et ça va l'exciter, ça. C'est pour ça qu'il y a des techniques, les gars, ils font des techniques de SMS. Ouais, quand elle t'envoie un SMS, réponds pas tout de suite, ok, parce que tu simules le gars qui est busy.
Et qu'est-ce que ça veut dire si tu es busy? Ça veut dire que tu travailles sur toi, tu es en train d'accomplir un projet et donc du coup tu vas devenir quelqu'un, tu vas prendre du statut, tu vas faire plus d'argent et ça c'est les traits qui attirent les femmes. Ok, de toute façon, tu vas le voir sur le chemin, pas à pas, plus tu vas évoluer, plus tu vas t'approcher de ton objectif, plus ça va être facile avec les femmes. Il n'y a pas de secret, les gars. Et si jamais tu es déjà en couple, si jamais tu fais ça, ça va encore plus l'exciter et elle va être encore plus obsédée par toi, elle va être encore plus attachée à toi, ça va la mettre en pression parce qu'elle se dit « Oh là là, il devient de plus en plus sexy, il devient de plus en plus attractif. » Et là, à ce moment, on est bon. Là, on est bon, les gars. Et comme je t'ai dit, ça, je l'ai vu sur tous les pays que j'ai visités. Mais ça, le dernier trait, là, c'est vraiment la base, les gars. Être focus, avoir un objectif, utiliser son temps, pas pour juste faire du Netflix et jouer aux jeux vidéo. Enfin, tu peux jouer aux jeux vidéo, il n'y a pas de problème. Mais d'une grande partie, être focus et faire ce qu'il y a à faire pour pouvoir atteindre les objectifs que tu as sûrement dit. Okay? Donc, il n'y a rien de pire que de dire à ta femme ou à ta meuf que ouais, je vais accomplir ceci et de passer ta journée dans FIFA. Il n'y a rien de pire. Parce que là, elle perd tout le respect. Elle dit, ouais, en fait, lui, il parle, mais il n'a aucune parole, en fait. Et si jamais tu es célibataire, de toute façon, tu verras tous les hacks que tu peux voir sur Internet, etc. La vérité, c'est que plus tu vas prendre du statut, plus tu vas faire de l'argent, plus les interactions avec les femmes, elles seront faciles. Plus tu vas pouvoir monter en niveau. C'est aussi simple que ça. Donc, si jamais tu n'as pas encore pris un appel pour voir ce que ça dit Pirate Marketing, c'est le moment ou jamais. Donc, n'hésite pas à mettre un j'aime si jamais tu as aimé cette vidéo. Un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Ok. N'hésite pas aussi à me dire ce que tu en penses en commentaire. Reste respectueux, sinon je bouge ton commentaire. Et sinon, les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. Je vais ton camp.